Bonjour à tous. Merci, merci, merci. Merci, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro du Tipeee Show. Alors le Tipeee Show, donc, c'est un rendez-vous au cours duquel vous allez pouvoir poser vos questions à un créateur du site. Pour ça, vous pouvez poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Tipeee Show. Et Lucas, ici présent à la régie avec Samuel, va se faire un plaisir de les recevoir et de nous les transmettre. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. Ce soir, du coup, c'est le Fossoyeur de Films qui nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre. Alors si vous n'êtes pas des enculés, vous savez qui c'est. Mais si vous êtes des enculés, du coup, voilà qui est le Fossoyeur de Films. On se retrouve juste après. Je m'appelle François, j'ai 30 ans, je viens d'Avignon. Mon métier est maintenant de faire des vidéos sur Internet. Salut à tous, ici le Fossoyeur. Je produis des contenus de type chronique, axés sur le cinéma de genre principalement, qui me permet, dans le personnage du Fossoyeur, de parler de vieux films ou de thématiques plus générales, comme la peur au cinéma, la mythologie au cinéma. Des dieux qui mettent de la buée sur la caméra, des slips, des jupettes, des monstres, des jupettes, des discours galvanisants, des ralentis de la mort. En jupette. À côté de ça, il y a d'autres émissions comme la Préséance qui me permettent de parler de choses un peu plus d'actualité. Ça fait des années que je suis très 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 client de ce genre de format sur Internet. Je suivais beaucoup de chroniqueurs anglo-saxons, notamment américains, avec toute la clique du Nostalgia Critique. Hello, I'm a Nostalgia Critic. I remember it, so you don't have to. Et c'est un format que je voyais peu représenté dans le YouTube français. Le fait de faire des chroniques sérieuses et vraiment construites, tout en ayant un ton un petit peu léger et décalé. Apparently, the only thing that can kill the aliens is water. Probably should have thought that through before attacking a planet mostly covered in water! Il y a quelques autres vidéos musique sur la chaîne que je fais sous le nom de Dead Watts, qui me permettent de m'amuser en fait, de faire des jams. Merci en tout cas pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Mesdames et messieurs, le Fossoyeur de Films. Bravo, bravo. Alors bon, je vais peut-être t'appeler François du coup. Oui. Voilà, si ça te dérange pas. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Est-ce qu'on a plus de gens sur, dans le studio lui-même que sur Internet? Est-ce qu'on peut surveiller la fréquentation? Et ça va bien, merci. Est-ce que tu peux du coup nous raconter, alors t'en parlais un peu dans la vidéo, est-ce que tu peux nous raconter quand même en deux mots comment ça t'est venu en fait, cette idée de faire une chaîne YouTube? C'était vraiment parce que je voyais pas ce que j'avais envie de regarder en tant que spectateur sur YouTube et globalement sur le web français en termes de chronique ciné en tout cas. Et comme ça faisait pas mal, enfin quelques années que je regardais vraiment sur le modèle, comme c'était dit dans la présentation, sur le modèle anglo-saxon à la Nostalgia Critique, même si c'est pas le Nostalgia Critique qui m'a spécifiquement inspiré, plutôt d'autres chroniqueurs qui étaient un peu sous son égide, genre Nostalgiatique, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je regardais ça, ça me titillait un peu, j'avais cette idée qui m'a trotté dans la tête pendant 2 ans de faire ça, mais sans trop développer le truc. Et finalement, j'ai franchi le pas un moment en me disant, bon bah allez, c'est parti. Différent de l'écriture, on sent que t'es à l'aise pour raconter les choses, voilà, je crois que t'as fait un doctorat en plus. Ouais. Donc t'as appris quand même à analyser, à développer les choses. À la fois, le côté face caméra, là on s'en rend compte, c'est pas évident. C'est ça en fait, moi, c'est ce côté face caméra, le fait de te lancer comme ça. C'était quoi le déclic? De toute façon, l'idée qui me trottait dans la tête, qui a pris de plus en plus de place, je me suis dit, au bout d'un moment, c'était la frustration, encore une fois, en tant que spectateur, de toujours pas voir ce que je voulais faire. Je me suis dit, bon, bah, c'est parti, j'essaie de faire ce que je voudrais voir. Et c'était la convergence de pas mal de trucs que j'avais envie de faire sur l'écriture, déjà. Ça faisait longtemps que j'écrivais sur le cinéma, avec des périodes un peu plus que d'autres. La réalisation, l'interprétation, tout ça, c'est une activité qui permet d'être ultra polyvalent. C'est vraiment une école de la polyvalence et c'est un truc qui me plaisait vraiment. Après, c'est ce personnage du Fossoyeur. D'où ça t'est venu, ça, cette idée-là? Je cherchais un personnage décalé, en fait, qui permette de faire des chroniques sérieuses, mais avec un ton décalé. C'est vraiment cet équilibre entre ces deux dynamiques qui me plaisait. Et je cherchais donc un personnage qui soit un peu improbable et qui permette aussi de marquer les esprits. Parce que c'est aussi un peu difficile sur Internet de faire un format et d'arriver à avoir une patte et certains traits distinctifs qui permettent aux gens de juste de se souvenir et de se dire une fois, tiens, je suis tombé un jour sur cette chronique, j'arrive pas à me souvenir qui c'était. C'est un mec qui parlait, voilà. Ouais. C'est un mec qui parlait cinéma. Il y avait une pelle. Voilà. Ouais. Et si t'as pas de très distinctif, c'est un petit peu difficile au départ de marquer. C'est comme ça. C'est un mec qui parlait cinéma. Il avait des cheveux, des vêtements, je crois qu'il avait parlé de film. Enfin voilà, au bout d'un moment, comme 1000 personnes. Donc c'était surtout pour ça.
D'accord. Et ça me plaisait voilà, de désamorcer un petit peu le côté sérieux avec un personnage. Pourquoi parler cinéma avec une pelle sur l'épaule? C'est complètement bizarre à la base. Au départ, il y avait cette volonté d'aller déterrer des choses quand même, ouais. Des films inconnus, du cinéma de genre peut-être un peu oublié ou dont on parle peu. Pas forcément des trucs nécessairement inconnus ou super vieux, mais je comprends que certaines personnes. Au départ, on a cette sensation-là en fait. Oui, pardon pour le micro. Au départ, on a cette sensation-là en fait. Fossoyeur, Pelle, on a l'impression que le mec va aller déterrer des trucs obscurs. Bah, il peut y avoir des trucs plus ou moins obscurs. Après, c'est toujours la question, selon les personnes à qui tu t'adresses, c'est toujours, il y a certains trucs qui sont complètement obscurs pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et moi, le gimmick à la base, c'est vraiment d'étaler des trucs qui sont pas dans l'actualité. La seule entorse que j'avais fait à ça, c'est quand j'avais fait un Fossoyeur sur le Hobbit, c'est le troisième. Mais voilà, je cherchais un petit peu encore le temps de l'émission à ce moment-là. Mais c'est vraiment développer, déterrer soit des films, soit des thématiques qui sont pas forcément dans l'actualité. Après, quelle que soit la période dans laquelle ça s'ancre. Après, générationnellement, c'est plutôt années 70 et 80 pour moi. D'accord. La régie Alors, on a une première question de ta communauté, de Cécile Midi. Comment construis-tu ta culture cinématographique? Cherches-tu simplement des films par toi-même ou quelqu'un t'a influencé ou fait découvrir certains films? Oui. Merci. Ouais. Voilà, voilà. Suivante. C'est jamais l'un ou l'autre, forcément. C'est faut juste rester curieux. Je sais pas, au fil des recherches, des discussions, la recherche hypertexte, en gros, quoi. Tu tombes sur un truc, ça t'embarque sur deux trois références, et pour peu que tu essaies de comprendre ce qu'a réalisé tel mec, avec qui, dans quel contexte et tout ça, tu en viens toujours. Il y a une espèce de phénomène, une espèce d'arbre, enfin de truc d'arborescence, qui fait que dès que tu t'intéresses à un truc, ça te renvoie à d'autres trucs. Et voilà, c'est jamais l'un ou l'autre. C'est toutes les manières possibles et imaginables. Mais que ce soit beaucoup. Des gens pas. Hein. Merci pour cette réponse. Avec grand plaisir. D'accord, t'as jamais étudié le ciné. Pourquoi avoir fait ça sur le ciné? Je me dis que t'as d'autres passions dans la vie. Ou alors c'était un truc vraiment, depuis que t'es tout gamin, prédominant, auquel tu t'es toujours beaucoup intéressé? Mes deux passions principales, c'est le cinéma et la musique. Ça a toujours été. La première passion, c'était le cinéma. Après, vers 15-16 ans, la musique est arrivée et qui a pris beaucoup de place. Et après, encore quelques années, j'ai réussi un petit peu à stabiliser les deux, à trouver un équilibre entre les deux. Mais à la base, ouais, c'est plus le cinéma. Je l'ai pas étudié au sens où j'ai pas fait d'études de cinéma ou d'études audiovisuelles. C'est toujours été un intérêt de mon côté. J'ai depuis longtemps écrit sur le ciné, fait des chroniques sur des sites ou même pour moi-même ou mon cercle d'amis. Donc c'était juste un truc naturel qui était là. J'ai pas senti le besoin d'avoir un cursus universitaire pour justifier mes trucs. Ouais, mais même c'est ça dont t'avais envie de parler à la base. Juste, j'aime parler cinéma, tout simplement. Je ne me suis pas posé la question. On te lance une boulette, je crois. Ouais. Mais absolument. En fait, on a une question d'un certain Mathieu P. qui nous demande quelle sauce avec ton sandwich au poulet tikka. Alors, mon cher Mathieu Pradalet, collègue et complice, French Food Porn, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut absolument voir French Food Porn. Je vous conseille ça à tous. Ils sont sur Tipeee. Il est sur Tipeee, oui, pardon. Absolument. Eh bien, ce gredin, c'est que je ne prends pas de sauce, je mets juste du poivre par-dessus. Et ça... Ça perturbe d'ailleurs ceux qui me préparent les sandwichs, qui me regardent comme un alien. Merci pour voilà. Le ciné, c'était une vieille passion. Est-ce qu'il y a un moment, t'as voulu en faire? Ou est-ce que tout de suite, t'as voulu en parler? C'est quand même deux positionnements différents. À la base, c'est plutôt en parler, parce que c'est juste une démarche naturelle, sans avoir à se demander, est-ce que j'ai envie de parler cinéma ou juste, je le fais. Donc après, autant le transformer. Mais après, j'ai pas mal, encore une fois, d'envie, que ce soit au niveau écriture, interprétation ou même réalisation. Après, voilà, j'ai pas encore l'expertise nécessaire technique pour prétendre à réaliser quelque chose de super ambitieux, on va dire. Mais c'est une idée qui me trotte en tête. Ouais, j'ai bien envie de me mettre au court-métrage, notamment sur l'aspect fiction. C'est un truc que j'aimerais bien développer sur une autre chaîne, peut-être, ou dans un autre cadre. Mais Le Angry Video Game Nerd, il a fini par faire, je crois, un moyen ou un long-métrage, vraiment. Et son personnage s'est tellement développé dans le temps. Ouais. Il voulait aller creuser, tu sais, pour retrouver les vieux exemplaires de E.T. Ce que finalement Microsoft a fait avant lui. Non, mais du coup, le mec a développé un personnage tel qu'il a pu en faire une fiction, en fait. Ouais. Toi, c'est un truc que t'as en tête, ça ou autre chose? Pas spécialement par rapport au Fossoyeur, après pourquoi pas, hein. Mais il y a Benzaï aussi, qui est chez Tipeee et qui a fait ça, avec son film Art Corner. Pourquoi pas, ouais. Bah ouais. Après, je sais que si je devais faire un film sur le personnage du Fossoyeur, je ferais pas un truc Origin Stories, ou dire d'où il vient. Ça, je veux garder le mystère. Juste un tout petit problème, parce qu'on parlait de Fossoyeur, etc. Alors je sais pas du tout si c'est lié, mais j'ai la police municipale en ligne, qui me dit qu'il y a une Renault Fuego, avec une pelle sur le siège arrière, qui vient de se faire emboutir juste en bas. Donc si peut-être qu'il faut aller checker, je sais pas, il y a peut-être un problème. C'est à toi, c'est pas à toi. Voilà. Je ne connais pas ce genre de choses. Non, voilà, avançons, merci, au revoir. Vous êtes dans une régie, mais qui est ultra high-tech. High-tech,
Enfin, c'est où enfin, c'est incroyable. Ah là, on est à 4000 km d'ici, on est à Santa Cruz. Ah d'accord, ah, c'est pour ça. En fait, je sais pas pourquoi je regarde là. Ah non, mais là, tu regardes là parce que voilà. D'accord, ah, moi je mettrais juste un écran en fait. Pas de problème technique. Pas de problème technique. Peut-être que vous êtes dans l'espace maintenant. Merci, pour accrocher, ouais. Oui, merci, moi je t'aime. Je reste quoi ?